Et bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le 7 octobre 2023 et j'ai trouvé un nouveau Shiny. Alors comme vous voyez dans le titre de la vidéo, il s'agit de Skellerc Shiny obtenu pour mon FTQ. Étape numéro, bon, je sais plus, 4, 5, je suis paumée. Il est un petit peu plus de 21h30, ça faisait peut-être 20 minutes que j'étais en train de chasser. Et il est arrivé donc après 5361 rencontres au total. Bon, on va pas rester sur ma lamande pendant 107 ans, hein. Bon, il y a eu le petit Skitty à côté. Et voilà le Skellerc Shiny, qui est tout simplement incroyable. Vous vous doutez bien qu'il flash énormément dans l'ombre. Donc, version rubis. La prochaine étape pour mon HTQ, ce sera au Bali, dans la fameuse grotte où il y a ce cher Stalgamin. Enfin, ça va dépendre du stage que j'ai choisi, hein, quand même. Alors, on va procéder à la capture. Je fais attention de ne pas bouger la console parce que la cartouche est sur DS Lite, hein. Oh là là. Alors, je n'ai qu'à balancer des bols puisque il n'y a rien de dangereux. Oh, c'est vrai que j'ai eu des bols qui sont apparus dans un sac que j'ai droppé, je ne sais où. C'est incroyable ça. Alors, j'hésite entre l'Honor et la Lux. Je sais pas en quoi je vais le faire évoluer encore. Ah, c'est dur. Je pense que je vais plutôt partir sur l'Honor, dans tous les cas. C'est parti. Je vais essayer de bien cadrer quand même tout ça. Voilà, je vais faire le first. Yes, le first. First ball. Trop bien. Trop trop bien. Alors on va voir la transition, ça c'est énormissime. Skellinox Requiem. Skellinox peut traverser n'importe quel mur, mais même le plus épais. Et une fois que ce Pokémon a choisi une cible, il la pourchasse sans relâche jusqu'à l'aube. Oh là là. Désolé pour cette toux. Je suis un peu malade. Oui, j'ai prévu un surnom pour lui, enfin pour elle en l'occurrence. Hop. Alors est-ce qu'il y a un... Il n'y a pas un E avec un accent? On va mettre comme ça, c'est pas grave. Voilà. Excusez-moi, j'engueulais le chaton qui faisait des bêtises. En lui lançant de l'eau. Pistolet à eau. Yumi utilise pistolet à eau. Allez, on va voler. On se tire du Mont Memoria. Let's go. Ciao les copains. Rendez-vous dans la grotte Tréfonds. On va aller chercher le Skellinox dans le PC. Moi, j'ai pas prévu. J'aurais bien fait l'exhibition là-haut. Il faudrait peut-être que je le prenne, Skellinox. Oh là là, il est incroyable. Ouais, on va changer avec Vigoroth. Plan cool. Pardon. Il s'appelle Glancool. J'avais oublié ça. J'ai l'impression d'avoir une voix très 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 grave. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça. Je ne suis pas devenu un homme, mais. Voilà. J'ai la voix complètement cassée. Allez, petit pari nature avant de faire l'exhibition dans les herbes. Moi je dirais. Alors j'ai vu quoi comme poussifeu? J'ai eu un poussifeu pressé. Malin. Ouais, de toute façon je vais dire timide. Hein. Je vais dire timide. Alors. Je pense que Drilox qui était avec moi en vocal dirait pressé. Et puis Ozzy qui dirait
Hardy comme dame. Oh, elle est timide. Oh, j'ai gagné mon propre pari nature, c'est incroyable. Incroyable ce jeu là. Ignore les attaques sol. Elle est trop belle. Trop trop beau ce shiny. Un banger de la 3G. Un Roselia. Tout à fait normal. Et mon Skeena shiny qui a un back sprite tout à fait génialissime aussi. Il y a que des rosés là par là. Oh là là. Évidemment, comme elle est timide, cette polyphème, elle est très rapide, elle arrive à fuir les Roselia. Oh, il y a que des Roselia. Oh. J'avoue que je fais des exhibitions sur 3G. J'ai des séries de Pokémon qui apparaissent comme ça sans que ça en change. Comme avec les Piafabec là. Ah bah voilà, un petit Zigzaton. Bon, eh ben on se retrouve prochainement pour ce FTQ Ruby, à la grotte Tréfonds en tout cas. La cible, ce sera Obali. Si je me trompe pas, elle est quand même à haut pourcentage, hein, au moins 30%. Il faudra que j'analyse tout ça par rapport aux étages. Mais voilà, je pense qu'on n'aura pas trop 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 de mal à le trouver en phase 1 ou 2 en tout cas. Voilà, je vous dis... A plus donc pour un nouveau shiny, c'était mon quatrième shiny pour la SHL, donc c'est très très cool ça aussi. Je vous fais des bisous, je vous souhaite bonne chance dans vos recherches comme d'hab. Fut impossible. J'ai pas vu ce qui s'était passé avant. Mon esquive. Allez, on se laisse sur les étoiles de Polyphème, mon Skeletor shiny. Et... on se retrouve pour la prochaine étape du FTQ à la grotte Tréfonds avec peut-être un Obali assez rapidement, on verra. Enfin, assez rapidement, je parle pas en termes de chiffres, mais en tout cas en termes de phase. Je vous fais des bisous, good luck à vous, que les étoiles soient avec vous, ciao.